ألف أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله سيدنا محمد وتقدير الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدان للمتقين صدق الله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى nous dit dans son livre sage dans la sourate al-Baqarah, donc la sourate de la vache, le verset numéro 2: voici le livre, il n'y a pas de doute, il est un guide pour ceux qui sont pieux. Donc là je continue le tafsir que je vous lisais déjà précédemment, et là je n'ai rien à rajouter comme la dernière fois. Pour moi, il a traité le sujet d'une manière très très bien, Mashallah. Et je commence. Après avoir présenté les lettres abrégées ou isolées, le Coran parle de l'importance de ce livre, céleste en ces termes. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Cela fait peut-être allusion au fait que Allah a promis à son prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, de lui révéler un livre qui sera un guide pour tous les hommes, une source qui guide les gens en quête de vérité et ceux qui aspirent à la vérité sur le droit chemin. Point de doute dans ce livre, et à présent Allah a tenu à sa promesse. Ce n'est pas une simple affirmation de dire qu'il n'y a point de doute dans le Coran. En effet, le contenu du Saint-Coran dans l'ensemble atteste lui-même cette vérité, en d'autres termes l'authenticité, la grandeur, la profondeur du contenu, l'éloquence et le style dans l'agencement des phrases sont telles qu'il n'y a aucune place pour le doute et la suspicion. Un ensemble de qualités qui propulse l'homme directement à la limite de la certitude. Ce qui est plus intéressant encore, c'est que plus le temps passe, non seulement la splendeur du Coran ne diminue pas, mais elle se dévoile beaucoup plus avec le progrès des sciences. La découverte des secrets de l'existence de Saint-Coran devient de plus en plus évidente. Plus la science et la technologie avancent, plus le rayonnement des versets coraniques s'intensifie. Ce n'est pas juste une affirmation, c'est la vérité que nous allons développer au cours de ce commentaire, Inch'Allah. Donc la première partie au niveau du commentaire, c'est, il va expliquer que signifie Hidayah. Donc Hidayah, ça veut dire la guidance. Le terme Hidayah, puisqu'en fait dans le verset, on parle de Huda. Huda, la Hidayah. Donc un guide. Hidayah, guidance. Le terme Hidayah sur le droit chemin dans le Coran est utilisé de différentes manières. Mais la racine et le sens littéral de ce terme renvoient à deux significations. Guidé dans l'ordre du système universel, guidé à travers la législation. Guidé dans l'ordre du système universel, ça s'appelle Hidayah Takwiniya, et à travers la législation, c'est Hidayah Tashriya. Le A, guider l'homme dans, donc là c'est Hidayah Takwiniya, guider l'homme dans la disposition universelle est commun à toutes les créatures de l'univers. On entend par guider à travers le système universel la gestion et la disposition des créatures par Allah, les lois et les secrets précis qui règnent dans l'univers. Le Saint-Coran contient beaucoup de sourates en rapport avec ce sujet. Il y a par exemple les propos du prophète Moussa, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, dans la sourate numéro 20, le verset numéro 50. Il dit, par le biais de Moussa qui dit ça, « Notre Dieu est celui qui a créé toutes choses et montré ensuite comment se guider. » Donc il dit, « Barda'oudou billahi samir ranim nishaitan wajim, qala rabbuna alladhi ata kullu shay khalqahu summa hada. »
Sadakallahul aliyyul azim. C'est ici que nous constatons qu'un terrain salé ne sera jamais fertile. Non, pardon. En d'autres termes, les gens dépourvus de foi sont de deux catégories. Il y a un groupe de gens en quête de vérité dont on trouve encore un minimum de piété dans leur cœur, une piété qui les pousse à accepter la vérité chaque fois qu'ils en sont confrontés. Un deuxième groupe est constitué de gens particulièrement obstinés, radicaux et fanatiques qui non seulement ne sont pas en quête de vérité, mais chaque fois qu'ils voient la vérité, ils essayent de la couvrir. Sans aucun doute, le Coran et n'importe quel livre céleste sont utiles et restent importants pour les gens de la première catégorie. Ceux de la deuxième catégorie ne sauront donc profiter de la lumière du Saint-Coran, comme Allah le dit. Nous faisons descendre avec ce Coran une guérison, une miséricorde pour les croyants, mais il n'augmente que perte et préjudice aux mécréants. La sourate Al-Isra, verset 82. Donc c'est la sourate numéro 17, appelée aussi, on appelle aussi la sourate Al-Isra, donc du voyage nocturne, on l'appelle aussi la sourate de Bani Israël, référence aux versets qui sont au tout début de cette sourate. Verset 82. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونزلل من القرآن من هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلى خسارة صدق الله العلي العظيم. Puis c'est ici que nous constatons qu'un terrain salé ne sera jamais fertile, même s'il pleut mille fois. Donc pour qu'un terrain arrive à produire, il a besoin d'être aménagé, prêt à recevoir les gouttes de pluie qui redonnent vie. Tant que l'homme ne nettoie pas son ego de l'obstination et du radicalisme, les graines de la direction ne pousseront jamais en lui. C'est pour cette raison qu'Allah dit « Le Coran est un guide pour les pieux ». C'est-à-dire dans le verset qui dit « Zalik al-kitab, hudal il-muttaqin kitab ». Donc là, c'est le Coran, bien entendu. Deuxièmement, donc là, c'est la hidayah, tashri'iyah, que je vais développer, guidée à travers la législation. Et quelque chose qui se concrétise par l'intermédiaire des prophètes et des livres célestes, avec leur enseignement et leur éducation, les hommes évoluent dans la voie de la perfection et de l'accomplissement. Le Saint-Coran est rempli de versets qui confirment cela, comme ce verset. Nous avons fait d'eux des guides qui dirigent les gens sous notre ordre. Sourate Al-Anbiya, donc la sourate des prophètes, le verset 73. Le début du verset, Bardaud Billah Issamir al-Ranim Nishetan Rajim, Wajarna ou Haimatan Yaduna Biamrina, Sadakallahu al-Ali al-Radim. Donc maintenant la deuxième note, pourquoi le Coran guide-t-il uniquement les pieux? Il est clair que le Saint-Coran est descendu pour guider tout le monde sur terre, alors pourquoi dans ce verset on précise qu'il ne guide que les pieux? La raison en est que si l'homme n'a pas la soumission et la lumière de la piété dans son cœur, et ne pourra être guidé par les livres sacrés et l'appel des prophètes. C'est l'occasion ici de développer en quelques mots le terme piété. Donc la signification de la taqwa, ça c'est le sens, on va donner le sens littéral et islamique. Le terme taqwa dérive étymologiquement de waqaya, qui signifie se protéger de toute chose à cause des de toute chose qui cause des dégâts. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la sourate 66, le verset 66, sourate Tahrim, donc la sourate de l'interdiction, le verset 6. Préservez-vous de l'enfer et préservez vos proches également. Il y a un problème dans la traduction. Préservez-vous de l'enfer et préservez vos proches. Si, c'est bien ça, c'est le problème de la traduction dans le livre que j'utilise, mais pas dans la traduction de ce que je suis en train de lire du tafsir. Donc préservez-vous de l'enfer et préservez vos proches également. Avant, il y a cela, il y a les croyants.
les dix croyants, préservez-vous. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار صدق الله العلي العظيم. Après, le verset continue. Pris dans le sens de, dans ce sens, taqwa signifie se préserver et protéger également ceux qui nous sont chers. Dans le langage islamique, muttaqi signifie celui qui craint et se préserve de tout ce qui lui portera préjudice le jour du jugement. La piété a des niveaux et des degrés. Le premier niveau de la piété consiste à éviter de commettre les péchés, comme le signifie le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, à travers une déclaration dans laquelle il affirme: c'est en évitant de transgresser les interdits qu'on arrive au degré élémentaire de la piété. Marzan el-Irfan, volume 1, page 81. Dans un célèbre hadith du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa najjal farajum wa al-anadaum. Les actes des gens sont classés en trois catégories. Les actes qui par évidence sont permis, les actes dont la prohibition et l'interdiction ne sont plus à démontrer, et les actes qui se trouvent à cheval entre les deux, c'est-à-dire des choses licites qui paraissent comme illicites. Celui qui prend ses précautions face aux choses licites qui paraissent interdites ne tombera jamais dans le piège de l'illicite. Bihar el-Anwar, volume 2, page 221. Il est rapporté de l'imam Ali alayhi salam que le pieux est celui qui est celui si par supposition met tous ses actes et ses faits dans quelque chose et qu'on le fait tourner autour du monde, on n'y trouvera rien de honteux. Allahu Akbar. C'est le dans Marzan el-Irfan, volume 1, page 82. On a demandé à Karb el-Arbar, l'arnatullah alayhi, la signification de la piété. Il répondit: avez-vous déjà emprunté une voie pleine de plantes piquantes? Oui. Il dit: comment est-ce que vous marchez au milieu de ces plantes? Quelqu'un répondit: en soulevant le vêtement. Là, c'est parce que je pense que c'est un Africain qui a traduit, parce qu'il a marqué en soulevant le boubou. En soulevant le vêtement pour que les piquants ne s'y accrochent pas. Karb répondit: la piété ou la taqwa ressemble à ce genre de situation, c'est-à-dire évoluer dans la voie de la religion de manière à éviter de commettre les péchés. J'aimerais bien savoir pourquoi ce commentaire et ce commentateur, même si Karb el-Arbar, ce qu'a dit, était bon, il a cité Karb el-Arbar. Généralement, en plus de ça, c'est les Mukhalifines qui sont influencés par Karb el-Arbar, notamment Karb el-Arbar, l'Arnatullah Ali, était le conseiller de Omar ibn al-Khattab, l'Arnatullah Ali. Mais là, je ne comprends vraiment pas pourquoi il a ramené Karb el-Arbar pour donner la définition de taqwa, alors que le terme taqwa était défini déjà auparavant par les hadiths, à la kulli hal. Le deuxième niveau de piété consiste à se soumettre au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, c'est-à-dire à prendre tout ce qu'il demande de prendre et éviter tout ce qu'il a demande d'éviter. Donc la piété consiste à mettre en application ce qui est obligatoire et à délaisser ce qui est interdit ou prohibé. Le troisième niveau de piété consiste à vider et assainir l'âme de l'être de tout ce qui est autre que Allah, c'est-à-dire le pieux. C'est-à-dire, le pieux est celui qui empêche tout ce qui n'est pas Dieu d'entrer dans son être. Tout ce qui n'est pas Allah d'entrer dans son être. Celui qui ne compte pas sur la créature, mais sur le Créateur. Le pieux à ce niveau est celui qui rompt complètement avec tout ce qui n'est pas Allah et oriente tout son regard vers la grandeur, la beauté et la souveraineté divine. Telle est la vraie piété. C'est pour cette raison, et je terminerai là, que Allah dit aux croyants: craignez pieusement Allah tel qu'il se doit d'être craint. Craignez pieusement Allah tel qu'il doit être craint. Je dois préciser une chose, parce que pour certaines personnes, ce verset aurait été aboli par un autre verset qui dit: craignez Allah comme vous pouvez. Mais en fait, ça n'a pas du tout été aboli, ce verset. C'est en réalité un niveau. Là, c'est un niveau supérieur qui appartient aux différents niveaux de crainte. Parce qu'il y a un autre verset qui dit dans le Saint-Coran, je ne l'ai pas en tête, mais il dit: craignez Allah comme vous pouvez, c'est-à-dire dans la mesure de vos possibilités. Mais en réalité, on doit essayer, malgré qu'on sera toujours muqassir, d'arriver à craindre Allah comme il doit être craint, en lui donnant la bonne mesure, malgré que ça sera impossible face à l'immensité et l'impossibilité d'accéder à Allah Azzawajal. Barda Udu Billahi Samir al-Rani min al-Shaitan al-Rajim, Ya Yuwa al-Ladina Amanu, Taqullah, Haqqa Tukatehi, Sadaqa Allah al-Rani al-Radim. Donc c'est du début du verset jusqu'au milieu, c'est la sourate Al-Imran, la sourate de la famille Imran, donc la sourate numéro 3, la page, non, le verset 102. Aktafi Bi Adil Qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam 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 wa